Eh ben salut les amis, aujourd'hui votre créateur de costume préféré qui revient pour vous apprendre à faire un costume d'Halloween pour Halloween qui fait peur. Et c'est pas un robot putain. Bon, le son va peut-être être dégueulasse à cause de ça, je sais pas, mais comme voulez-vous. Et normalement si j'ai réussi à faire marcher mon fond vert, eh ben je serais censé être à Ibiza. Mais je sais pas si ça va marcher en fait. Donc pour faire le costume d'Halloween pour Halloween qui fait peur, eh ben vous aurez besoin d'une grosse boîte en carton et peut-être, je sais pas ce que je fais en fait, même des ciseaux, peut-être de la ficelle, et peut-être une jambe tour éclair, la colle forte, et je sais pas. Bah on verra bien. Il faut que vous choisissiez un côté de votre boîte. Et bon, j'ai choisi. Ouais, il sera comme ça la boîte. Voilà. Parce que ça va faire peur comme ça. Donc vous faites un trou là. Non. D'abord je sais pas. Faites un trou là. Voilà, vous avez déjà fait un trou, n'est-ce pas merveilleux? Vous tirez plus grand le trou. Vous forcez avec votre main. Pour ça, on va avoir besoin du pouvoir. Donc, on va avoir besoin du pouvoir du One Punch pour ça. Le pouvoir de chauve. Ça n'a pas marché. Voilà, vous avez passé votre bras. C'est parfait. Maintenant, une fois cela fait, retirez votre bras. Si vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas. Il vous suffit juste de vous couper le bras. Comme ça, c'est parfait. Il ne dépassera plus. Oh ! Ou alors, vous tirez très très fort, comme vous voulez. Oh ! Ça fait mal. Maintenant, vous faites pareil, mais de l'autre côté. Donc maintenant, vous prenez une poubelle que vous posez ici, sur la plage. Vous prenez vos ciseaux, vous découpez tous les bouts qui dépassent. Et vous les mettez à la poubelle. Donc maintenant vous vérifiez, votre bras il rentre bien, il sort bien, c'est parfait. Ce trou là, il est nickel. Non. Et vous faites pareil pour l'autre côté. Maintenant, vous voyez, là il y a les trous. Vous voyez ce morceau qui dépasse là? Eh ben, je suis désolé de devoir vous dire ça, mais il va falloir le couper. Mais bon, vous l'avez coupé. Maintenant, une fois que vous êtes à là. Bah je sais pas. Ah, ma poubelle a été tombée. Donc ensuite, vous retournez la boîte en carton. Et là, vous allez devoir couper tout là. Ah oui, bonne chance. Voilà, vous avez coupé le bas. Et vous commencez à l'enfiler. Si vous agrandissez les trous, ne vous en faites pas. C'est tout à fait normal. Vous mettez le premier bras. Ça rentre pas. Du coup, vous coupez un ovale qui fait à peu près ça. Il est presque pas mal. Donc maintenant, vous l'enfilez, le costume. N'oubliez pas de tenir vos manches comme quand vous étiez petit et que vous vouliez mettre vos blousons. Faites les deux en même temps, ce sera plus simple. Ah, j'ai cassé, mais ce n'est pas grave. Ah si, du coup c'est un peu grave en fait. Mais si vous avez cassé un côté, ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. Il ne sera que plus simple d'enfiler ce côté-là maintenant. Hein, il est cassé aussi. Il vous faudra aussi du scotch marron comme ça. Quelqu'un peut m'aider. Je crois que je suis un petit peu bloqué. Bon, j'ai peut-être un petit peu trop cassé là, j'avoue. Mais ne vous en faites pas, les amis. Je trouve toujours une solution. Sauf là, peut-être. Après de longues heures de recherche, j'ai enfin trouvé la solution. Tout à l'heure, nous mettrons du scotch marron et nous ferons des super épaulettes pour y cacher car nous sommes des bestes. Avez-vous compris? Vous agrandissez les trous qui sont là. Voilà, le morceau là. À la poubelle. Nous sommes plus dans la même salle. Et alors, ce n'est pas très très grave, les amis. Alors, attention. Canicule. La prochaine étape est très difficile à faire tout seul. Je vous demanderai, si possible, de demander de l'aide à un adulte ou à une personne possédant plus de QI que vous. Je vous explique. Ah, les amis, je ne sais pas où mettre le micro et ça va gêner là. Donc, c'est bon, les amis. Je suis à présent opérationnel. Vous allez devoir prendre votre carton. Vous passez les deux bras, les deux. Vous placez votre coude.
le relever s'il n'est pas très très bien relevé. Déjà, nous avons ça. Vous prenez du scotch. Vous allez couper un bout de scotch. En fait, vous pouvez pas. Si votre boîte est un petit peu réparée, déchirée, pas réparée, prenez un bout de scotch et vous venez y scotcher sur la partie cassée. Voilà. Nous avons déjà un morceau de réparé. Nous allons faire pareil aussi de l'autre côté. Vous le voyez bien ? Si, maintenant, beaucoup plus confortable. Regardez. Vous voyez comme je suis confortable. Ah, mon micro, il est tombé. C'est bon, il est là. J'ai retrouvé, les amis, inquiétez-vous pas. Et voilà. Nous avons terminé la base principale. D'accord ? Maintenant, il reste encore comment faire le dos bien attaché, le masque et l'accessoire. Vous êtes bloqué dans votre costume. Comment faire? Bah vous vous démerdez, d'accord? Moi je me démerde bien, hein? Bah voilà, vous faites pareil. Hop là. Maintenant, avant de passer à la partie décoration avec de magnifiques épaulières et tout ça, nous allons voir comment l'attacher dans le dos. Pour ça, vous avez deux méthodes. Première méthode. Soit chez vous, vous avez une fermeture éclair et vous pourrez donc l'utiliser comme ceci. Vous devrez donc coller les deux bouts sur les côtés et voilà, vous pourrez maintenant l'ouvrir et la fermer. Et deuxième méthode, celle que nous allons faire aujourd'hui, parce que je n'ai vraiment pas confiance en ce truc, ça sera avec des lacets. Je vais faire 4 trous, 2 ici et 2 en bas. Hop là, vous voyez ? Vous faites la même chose en bas. Maintenant, vous prenez votre lacet. Vous mettez votre lacet dans le trou. C'est bon les amis, j'ai trouvé comment faire si nous sommes tout seuls. D'abord, placez-les de l'intérieur. Comme ça, enfin comme je fais quoi, je sais pas comment c'est mieux. De l'extérieur vers l'intérieur, de l'extérieur vers le haut. Ensuite, quand vous êtes comme ça, mettez votre costume. Je ne trouve pas l'autre bout de la ficelle. Allez les amis, dites-moi où il est. Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est là-haut? Est-ce que j'arriverai jamais à l'attraper? Oui, probablement. Oui, je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Je vais l'attraper. Oui, je l'ai attrapé. Donc ensuite, quand vous en êtes à cette étape-là, cherchez les deux trous du bas. Placez les ficelles dans les trous, de l'extérieur à votre cul. Vous démerdez pour faire un trou avec les deux morceaux de ficelle qui dépassent. Voilà. Et pour faire un trou assez serré pour que le costume y tienne. On va dire qu'il est fait le nœud, hein, parce qu'après je sais pas comment je vais faire pour l'enlever. Et voilà, vous avez votre magnifique costume d'Halloween. Mais, comment faire? Il ne fait pas très très peur, dites donc. Moi je voulais un costume d'Halloween qui fait peur. Et ben ne vous en faites pas, car nous allons maintenant passer à la décoration. Nous allons d'abord passer aux épaulières. Je vais faire un côté et après ce sera à vous de faire pareil de l'autre côté. Et évidemment, vous pouvez faire votre propre décoration. Merci Captain Obvious. Donc tout d'abord, prenez vos ciseaux et votre scotch et vous coupez du scotch. Et oui. Maintenant, c'est beaucoup plus joli. Oui. Je vais prendre des lacets rouges. Rouge. Pourquoi rouge? Car c'est le sang. Vous le pliez en deux. Et vous le coupez en son milieu. Hop là. Maintenant, vous avez deux morceaux. Nous allons en prendre juste un seul pour ici. Prenez un morceau de scotch. Placez votre lacet comme ceci. Mettez un doigt dessus et scotchez votre lacet. Voilà. Nous avons déjà un premier morceau. Regardez. Cela est tout de suite beaucoup plus terrifiant. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Et voilà, pour l'instant, j'estime avoir bien avancé les épaulières. J'ai fait au moins le milieu. Maintenant, nous allons faire des petites pointes. Coupez un morceau de scotch. Placez-le où que vous voulez. Regardez-moi plutôt faire. Ce sera plus simple que des explications foireuses. Pliez-le en deux. Tournez-le. Repliez-le comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà. Nous avons maintenant une petite pointe. Vous la voyez? Non. Nous allons en faire une autre de l'autre côté. Et voilà. Tout
tout de suite beaucoup plus terrifiant. Nous avons bien décoré les écolières. Elles sont maintenant magnifiques, ma chérie. Sauf que la boîte, elle n'est toujours pas très très terrifiante. Munissez-vous de marqueurs. Et dessus, s'il y a des trucs marqués dessus, eh ben vous marquez dessus. Regardez, par exemple, sur ce côté, il y a venteexclusive.com. Et bien nous allons marquer vente exclusivement. N'hésitez pas à barrer ce qu'il y a en trop. Morbide. Oh là là, comme vous pouvez le voir, c'est déjà beaucoup plus terrifiant. Regardez, Don't Comixon. Cela est tout de suite beaucoup plus terrifiant. N'hésitez pas à décorer votre boîte entièrement, tout autour, pour que comme ça, ça fasse vraiment très très peur. Car là, je ne vous ai montré que des exemples. Regardez, je suis terrifiant. Cela fait tout de suite beaucoup plus peur. Oui. Alors oui, j'ai changé de vêtements. Et alors? Donc voilà, j'ai quand même assez bien décoré la boîte. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire que des dessins et des trucs dans le genre, vous voyez. Vous pouvez aussi, par exemple, je sais pas, coller des images. Ou par exemple, moi j'ai des petites images. Des images qui sont terrifiantes. Oh, ça fait peur. Vous découpez bien votre Trump comme il faut. J'ai aussi ici d'autres images terrifiantes. Donc ici, je Trump. Ici, nous avons moi, car je fais tout le temps très très peur. Ici, nous avons les impôts. Ouh, ce sont les impôts. C'est sans doute la plus terrifiante de toutes. Une carotte. Donc maintenant, vous pouvez coller ces images où vous le souhaitez. Avec de la colle de type UU. Comme ça, c'est... Quand vous aurez terminé de faire ça, et ben vous pourrez dire à votre maman « Eh maman, hier, j'ai collé Trump !» Ça marche aussi si vous êtes prof de maths. Et voilà, le déguisement est fin prêt. Il est terrible. Vraiment terrifiant. Nous allons maintenant faire le masque. Le masque d'Halloween pour Halloween qui fait peur. Bouh. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, de la colle, feuille cartonnée, peu importe si elle est en couleur, s'il y a des trucs marqués dessus ou n'importe quoi, on s'en fiche, une feuille cartonnée ou un truc assez solide quoi, même une boîte de biscottes, de la ficelle, et enfin, vous aurez besoin d'imprimer le masque. Son Goku dans Smash Bros. Marine Le Pen. Joule. Fortnite va-t-il survivre jusqu'en 2021? Un concombre! Ça fait peur! Nice. Déjà, vous voyez tout autour, il y a des contours rouges. Vous les découpez pour avoir le masque, et seulement le masque. Prenez votre feuille cartonnée. Mettez de la colle juste au milieu du masque. Au milieu. Et après, vous collez le masque sur la feuille. Donc, une fois cela fait, si vous avez déjà découpé les contours, parce que je me suis éventuellement loupé. Mais c'est pas grave, parce que c'est très bien comme ça aussi. Redécoupez les contours. Le masque est coupé. Maintenant, vous allez soulever cette partie. Près là. Là, à peu près au milieu. Enfin, vous allez venir faire un trou. Il y a un trou. Faites pareil de l'autre côté. J'ai fait un autre trou. Vous allez maintenant venir prendre votre ficelle. Vous mettez le bout de ficelle dans le trou. Là, vous le re-rentrez dans le trou. Dans l'autre trou. Voilà. Vous allez faire de sorte que votre tête passe. Là, c'est bien. C'est peut-être un tout petit peu desserré, mais c'est bien. Je vais venir poser mes doigts là pour pas que la ficelle se desserre. Voilà. Je vais venir prendre la bout de ficelle ici. Je vais venir faire un nœud. C'est peut-être un petit peu trop serré. J'avoue. Là déjà vous avez un premier nœud. Vous voyez? Vous allez faire pareil de l'autre côté. Mais pour être sûr, vous remettez votre masque. Que maintenant, c'est bon. Normalement, si on le met, ce sera nickel. Si vous le mettez et que vous avez quand même assez bien serré pour qu'il tienne bien, tenez sur les côtés pour pas que ça que cela déchire le papier. Vous pouvez couper les morceaux qui dépassent. Ne coupez pas non plus trop à rabord pour pas que le nœud se défasse justement. Vous pouvez coller les parties qui ne sont pas encore collées. Vous allez positionner le masque bien au milieu et mettre vos doigts sur vos yeux. Ils sont ici. Vous allez prendre vos ciseaux
et où il y a vos doigts, vous allez faire un petit trou. Voilà. Maintenant, j'ai fait deux minuscules petits trous. Et voilà, c'est bon. Vous pouvez maintenant voir. Vous voyez pas très très bien. Mais pour cela, pas d'inquiétude. Vous suffit d'agrandir les trous à votre guise. Comme vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Moi, je vais faire des petites étoiles. Car les étoiles, eh ben, ça fait peur sa mère. Et voilà. Regardez. Avec cet œil-là, je vois déjà beaucoup mieux. Regardez. Bouh! Je suis sûr que je t'ai fait sursauter. Mais ce n'est pas bien grave. Oh, le téléphone, il sonne. Attendez, les amis. C'est ma maman. Donc maintenant que nous avons terminé le masque et le costume, nous allons passer à l'accessoire, le ballon. Pour le ballon, ce n'est pas très très compliqué. Il faut surtout lui faire son histoire. L'histoire que je vais vous dire, que vous pourrez raconter à tous vos amis. Si vous ne savez pas où trouver de ballon, allez au McDo. En fait, l'histoire, c'est un gars qui est tombé d'une falaise ou de quelque chose, vous inventerez vous-même, n'est-ce pas? Et il est tombé de tellement haut qu'il s'est paf, il s'est ratatiné. Tout ce qu'il y a autour, c'est son sang. Il est mort comme ça. Ah! Comme ça, il est mort. Ah! Et là, nous allons modifier ça. Avec, évidemment, je sais pas, des surligneurs. Parce que j'ai que ça, mais bon, rectification. Les surligneurs ne marchent pas. Nous allons faire ça avec des marqueurs. Vous marquez comme ça. The Happy Dead. Et vous faites pareil de l'autre côté. Bien évidemment. Bouh! Tu as sursauté. Je t'ai vu. Waouh! Mais c'est tellement terrifiant! Il fait beaucoup trop peur! Maintenant, nous allons faire pareil de l'autre côté. Nous allons le faire sourire de l'autre côté. Ah! Maintenant, il ressemble à un fou, sauf qu'il est mort. Et à celui qui sourit, nous allons lui faire des cornes de diable. Bouh! Il est terrifiant. Je crois que nous avons terminé, les amis.